Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Voici cette année le kit de survie idéal du candidat 2006. D'abord, une boussole, essentielle si l'on veut ne pas se perdre au fort. Ensuite, il y a un pansement, un cas de bobo. Et puis, bien entendu, une orange, ça c'est pour les coups de pompe éventuels. D'autant que cette année, plus que jamais, les candidats n'auront absolument pas un temps mort. Oui, mais voilà, ce genre de kit de survie est formellement interdit sur le fort. Voyons donc maintenant le visage de nos valeureux candidats emmenés par Angel. Et aujourd'hui, sur le Fort Boyard, nous accueillons une équipe princière à plus d'un titre, puisque nous avons le plaisir de recevoir Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie de Monaco, Matt Pokora, prince du R&B, il est chanteur, auteur et compositeur, Pascal Gentil, roi du taekwondo, il est champion d'Europe et vice-champion du monde, Thomas Sisley, humoriste, sa spécialité reine, c'est le stand-up, Tyrone, chanteur, il a 21 ans, c'est le Benjamin de l'équipe, et la pétillante Adeline Blondiot, comédienne et auteure. Passe-partout, passe-temps, ouvrez la grille. Allez, suivez-moi. Allez. Ah, ça y est, ça fait bise. Eh ben, on est pas rentrés. Comment va, la forme? Allez, viens me rejoindre. Soyez les bienvenus sur le fort. Merci. Voilà. Je me doute bien. Alors certains d'entre vous sont déjà venus ici sur les lieux. Adeline, Thomas, Matt, vous êtes presque des habitués, vous. Si. Mais alors pour les autres, j'aimerais bien avoir vos premières impressions. Stéphanie, par exemple, je peux me permettre de vous appeler Stéphanie? Oui, bien sûr. Bon, super. Alors maintenant qu'on se connaît bien, on peut peut-être même se dire tu. Génial. J'en profite. En tout cas, merci pour ta simplicité et pour ton courage, parce que le bras dans le plat, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus. Ben non, c'est pas idéal, mais j'avais pris mes engagements, donc je voulais les respecter pour la soirée. Bien sûr, ça c'est une bonne chose, et puis on va prendre bien soin de toi. Ne t'inquiète pas. Tout le monde est content d'être là? Si, oui. Bande d'insouciants, vous savez pas ce qui vous attend. Remarquez, vous allez le découvrir tout de suite. On va suivre Passepartout et rejoindre Olivier. C'est parti, tu cours pas trop vite Passepartout aujourd'hui. Hein. Tu fais attention au bras de la princesse. On y va. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit déverrouiller les serrures qui la protègent. Les clés s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du père Foura. Si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les cachots de Fort Boyard. Attention, avec seulement 5 clés obtenues, la grille s'entrouvre en ne libérant qu'un accès minimum, ce qui limite considérablement la prise des boyards. Avec 6 clés, l'accès limité pénalise toujours les allers-retours vers le trésor. Pour que la grille s'ouvre entièrement, 7 clés sont nécessaires. Passe-partout, passe-temps, Anne-Gaël et l'équipe. Bonjour, soyez les bienvenus. Heureux de vous avoir avec nous. Bonjour Thomas, oui, c'est possible, bien sûr. Bonjour Stéphanie, merci d'être avec nous. Bonjour à Adeline, à Tyrone et puis bien sûr à Matt. Heureux de vous avoir en effet avec nous pour cette... Ah ben Pascal, ben alors ça y est. On commence vite là. C'est le sportif qui arrive le dernier. C'est pas malheureux tout ça. Bienvenue à toi aussi. Merci en effet d'être avec nous pour vivre cette nouvelle aventure, et plus particulièrement à Stéphanie qui a le bras blessé et qui est quand même venue. Ça nous touche énormément que tu sois avec nous. Alors, je précise que si je me permets de tutoyer la princesse de Monaco, c'est tout simplement parce que l'usage veut sur le fort que les candidats soient appelés par leur prénom et soient tutoyés. La princesse a accepté de jouer le jeu pleinement, et on te remercie. Ce qui veut donc dire, bien sûr, que ce tutoiement n'est absolument pas le manque de respect que nous devons à ton rang. Bien au contraire, c'est la marque de notre affection et de ton combat pour l'association que vous défendez aujourd'hui. Alors d'ailleurs, qui aimerait prendre la parole pour nous en parler davantage? Stéphanie. Donc, Fight Aids Monaco est une association qui s'occupe de tous les problèmes, celui en sida. On fait beaucoup de prévention, d'information dans les écoles, dans les universités. Et surtout, c'est de l'aide aux malades qui souffrent non seulement physiquement de la part des traitements, et aussi psychologiquement énormément. Donc, on est là pour les aider et on a des projets de leur faire des maisons de vie pour qu'ils puissent se ressourcer et reprendre un départ.
parce qu'il le mérite. Bel objet donc pour cette association. Eh bien, bonne chance à vous tous et ramenez le maximum de boyards tout à l'heure pour votre association. Mais alors, on parlait justement de cette aventure. Sachez que la première partie de l'émission, c'est 45 minutes. Vous allez devoir récupérer jusqu'à cette clé. Bonne chance à vous, le gong vient de retentir. Oui, je sais, ça surprend toujours un peu, mais cela marque le début de notre aventure commune. Pour cette première épreuve, sachez eh bien, que dans la vie, on est d'accord tous là-dessus, un cycliste, ce qui fait sa qualité première, c'est d'avoir de bonnes jambes. Bien ici, ce sont surtout de gros bras dont nous aurons besoin. C'est logique puisqu'il n'y a absolument pas de vélo à l'intérieur. Pascal, c'est pour toi, viens d'ici. C'est ce qui s'appelle parler pour ne rien dire, mais j'adore faire ça en début d'émission. Attention, Pascal. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Tu repères bien la clé dès ton entrée. Tomer, mets-toi sur la porte, tu vas le guider. Quelqu'un sur le temps, quelqu'un sur le temps. Allez, hop, il grimpe. Hop, voilà, il monte à l'échelle, et il attrape son petit manoguier, et là, il faut mouliner jusqu'au bout. Ah, pas c'est mal, fort, bonne tactique. Ouais, classe, super. Oh, pas mal. Bravo. Ça, c'est bien vu, ça. Il a déjà vu l'émission. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, plus il va avancer et plus ça va faire avancer la clé dans le mécanisme, dans les petits rails. Il se met direct sur le repose-pied. Il est malin, hein. Normal. Et ça marche pas à tous les coups, hein. Allez. Il s'épuise en milieu de parcours. Dis-lui que c'est avec les mains. Repose-toi. Pas avec les pieds. Dis-lui que c'est avec les mains qu'on pédale. Pascal, ouais, il y a l'animatrice qui se fout de ta gueule. Si peu, si je vais ramener la clé. Mais oui, on sait que tu vas la ramener. Ça avance super bien. C'est dur, hein. Il paraît que t'avances super bien. Déjà, je suis fatigué des escaliers. Arrête pas, va prendre un café. On va les ridiculiser, là, sinon. Vas-y, Pascal. Vas-y, Pascal, le mental. Allez, encore. T'aurais pas déjà vu l'émission, toi, par hasard? Ben, t'as bien préparé ton cours. J'ai regardé un peu l'émission. On voit ça. Première clé. Première épreuve. Première clé. Plutôt jolie. Je vous propose qu'on enchaîne sans plus tarder avec la prochaine épreuve. Passe-partout, on te suit. Allez-y. Ah non, allez, go. Thomas, si tu commences à énerver la boule, tu sais toujours ce qui peut t'arriver. Hein. Tu es déjà venu dans la maison. Bon. Eh bien, bravo. Parfait. Tu n'as qu'à bien tenir, Olivier. Regarde-moi, cette équipe devant toi. Mais je le sens. Petit clicker. Allez. FM FM. Mais pourquoi? Merci. Efficace. Très bien. Ils me font peur, ils me font très peur. Gardez cela dit votre souffle, parce que pour cette épreuve, vous en aurez besoin. Enfin, surtout... Stéphanie et Tyrone, venez tous les deux, présentez-vous ici c'est devant parti, la porte. C'est parti. Allez. Vas-y, on est... Soufflez, soufflez, c'est parti. Allez, on va avec vous. D'accord. Demande-leur si je reprends la clé. Okay, droit devant eux, juste à côté du Ok, soir. Vous avez vu la clé? Ouais. La tête dans le trou. Il faut qu'il passe la tête donc dans le trou. Donc chacun trous. D'un côté. Allez, allez. Hein. Vous passez en dessous, voilà. Il faut souffler, voilà. Mener le bateau fort. Jusqu'au voilà. Ballon. Essaye de faire un souffle continu, essaye de souffler plus longtemps dessus. Tyrone, fais-toi. Ouais. Voilà, souffle, mon petit Tyrone. Regardez bien, il y a des points incandescents sur le bateau, c'est ce qui va permettre voilà. De trouver le ballon et de libérer la clé. C'est bien parti, faut pas que ça se bloque entre les deux. Ça serait ballon. Voilà, pas trop fort, Tyrone, pas trop fort. Chacun d'un côté, encore, qui n'hésite pas à changer de position. Encore passé, Stéphanie. Ouais. Bravo, son aide est sérénissime. Faut pas faire des ronds, c'est ce qui est dans l'idéal, c'est mieux de garder la pointe du bateau. Voilà, super, très bien, super, continuez comme ça. Tyrone, à toi. Change d'un trou. Non, de l'autre côté. Chacun d'un côté. C'est bon. Restez là. Encore, continuez. Tyrone, mets-toi de l'autre côté. Face à face. Mettez-vous face à face, hein. Allez. C'est bien. Allez, avance, Tyrone. Sur ta droite, Tyrone. Ouais, super. Surveillez le temps, hein. Encore, avance encore, Tyrone. Ah, super. Des deux côtés. Oui, dans l'idéal, il faut vraiment garder la pointe du bateau vers l'avant. Avance, Tyrone.
minimum. Là, c'est pas mal. Non, continue, continue. Souffle un peu. Et mets la pointe. Non, c'est pas le bon trou. Allez, faites tourner le bateau. Attends, Stéphanie. Non, c'est Tyron. Tyron, décale. Il faut qu'il s'avance, Tyron. Avance d'un trou. Change de position, Tyron. Et c'est l'encens qui bloque. Voilà, voilà, super, allez. Allez, souffle fort maintenant. Fort. Stéphanie, ne souffle pas. C'est tout pour le tour. Tyron, encore, souffle à fond. Allez. Stéphanie, ne souffle plus. Ils sont pas loin. À ton tour, Stéphanie, maintenant. Combien de temps il reste là? Allez, souffle. Combien de temps il reste? Plus beaucoup. Allez, un dernier coup, sinon ils ressortent. Ils sont tous du vent. Allez. Ah, c'est dommage. Sortez. Aïe. Ah, vous étiez à ça. Vous avez un petit peu perdu le temps. Bravo. Ben oui, mais c'est ces petits bâtons incandescents justement qui vous permettaient de crever le ballon. Mais vous étiez vraiment tout près du but. Ça manquait un petit peu de coordination. Bon, dis donc, tu crois que t'aurais fait mieux, toi? Non, c'est bien. Bah non. Non, c'était pas trop. T'as assuré sur le manolier. On y retourne? C'est parti, passe-partout. Bien, Anne-Gaëlle, l'équipe. Je suis bien désolé pour Stéphanie et Tyron. Mais ce n'est que partie remise, rassurez-vous, nous avons d'autres surprises dans lesquelles vous brillerez, je n'en doute pas, tous les deux. Ici, en vigie, le père Foura attend Adeline. Quant à Matt, il peut suivre passe-partout pour se préparer pour la prochaine épreuve. Ah là. Père Foura, vous m'avez l'air contrarié. Non, je ne suis pas contrarié, je suis inquiet. Inquiet pourquoi? Inquiet, parce que je viens d'apprendre que le poulpe de mer est une espèce en voie de disparition. Mais figurez-vous qu'il n'en reste que 42 milliards répartis sur toute la planète. Alors il faut faire quelque chose, Olivier, il faut faire quelque chose! Ne nous emballons pas! Créons par exemple une association. Oui, une association, on pourrait l'appeler... SOS Poulpe. Ah, c'est bien ça. Ah, pas mal. Et en fait, il faudrait une célébrité, une vedette pour parrainer mon association. Ouais, ça c'est... Bien sûr, vous, Olivier. Moi? Ben oui. Ah, c'est pas mal, oui. Mais attendez, mais alors dans ce cas-là, il faut faire une grande campagne de pub. Ah oui, j'imagine bien, nationale, avec des 4x3, dans les villes, sur les autoroutes, dans les pharmacies, oui. Oh, je vois la photo. Vous avec un poulpe de mer sur la tête, avec écrit dessus, « Moi, Olivier Mine, dans la vie, je suis très poulpe. » Attendez, deux secondes de réflexion. Une, deux... Non. Ah non. Non. La boule. Vous la tenez, la boule. Ah, ça, c'est lourd. Ça, c'est beaucoup plus lourd. Ah, non, c'est vrai que dans la vie, la boule, il est assez poulpe. Moi, la boule, dans la vie, je suis... Oh, non. C'est tout de même beaucoup moins glamour, quand même, non. Chance. Ah, bah oui, bah peut-être avec Adeline. Moi, Adeline, dans la vie, je suis... Bon, d'accord, on verra ça plus tard. Adeline, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Oh, écoutez, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venue ici? Presque 10 ans, je crois. 10 ans? Et vous n'avez pas changé? Vous non plus. Oh, bah, ça fait plaisir. Allez, je vous laisse vous concentrer. Vous êtes prête? Écoutez bien, voici l'énigme. Mollusque vivant dans la mer. Chez l'humain, elle qualifie un teint clair. Découverte en Chine, on aime sa finesse. Porcelaine. Lorsqu'on dîne. Bah alors, mais. J'ai même pas besoin de répéter. Mais oui, mais c'est la porcelaine. Mais oui, j'en suis décontenancé. Tenez, je vous remets la clé. Merci. Et bah, à quand alors? Bah, je sais pas, vous voulez son numéro de téléphone et qu'on essaie de boire un verre. Oui, bah oui, il me reste un quart d'heure en 2011, le 11 janvier 2011. Alors moi, je suis pas à Lille, mais peut-être 2-3 ans plus tard. D'accord, et bah écoutez, on fait comme ça. Vous donnez les coordonnées à Pastan et il me les communique. D'accord, très bien. Allez. Ah, la porcelaine, c'est comme un candidat. Si beau et si fragile. Fallait pas me sous-estimer, je suis pas là pour figurer. Je sais pas qui a dit ça. Mais en tout cas, il va pouvoir nous le prouver maintenant. Matt, comment te sens-tu? Ça va. Détendu. Franchement, ça va. Ah, tu as vu? Regarde comme je suis souple. Une situation des plus confortables. Alors, c'est une épreuve particulière, puisque c'est un duel face à toi, une gymnaste.
On pourrait l'appeler Elastic Woman, tellement elle est souple. Tu vas devoir récupérer à mi-parcours de ce pont de singe le sac de couleur jaune afin de récupérer donc, de là où tu es parti, un code qui permettra à ton équipe, regardez, de récupérer cette clé qui est attachée pour l'instant. Le tout, c'est d'être rapide, de ne pas prendre de risques inconsidérés car la gymnaste, pour le coup, est extrêmement efficace. Bonne chance à toi, Matt. Attention à mon signal. Mettez-vous en position. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, go! Tu speed, hein? Tranquille, tranquille. Non, pas tranquille. Ouais, pas trop de temps non plus. C'est bien, il est super concentré. C'est bien! Passe bien ton bras dans l'anneau et tire le sac vers toi. Voilà, super. Je dirais qu'il a fait ça toute sa vie. Ok, continue. Vas-y, Matt! Continue. Voilà! C'est bien. Respire bien, encore un peu. Allez. J'y ai presque. Allez, vas-y, c'est super. Allez, tu récupères la clé. Et attention au sens, hein. Ça y est, je peux. Ouais, génial. Allez, vas-y. 2357. Yes, allez, c'est parti, t'alignes bien les numéros. 2357. Vite, elle va faire péter. Ah non, j'ai mal. Joli. Bravo, c'est bien joué. T'aurais presque pu en profiter pour chanter une petite chanson, dis donc. Anne-Gaëlle. Tellement c'était facile. Anne-Gaëlle. Oui. Veux-tu m'épouser? Est-ce que tu veux m'épouser? C'est quand c'est possible. À la fin de l'émission. Une fois que vous aurez récupéré tout plein de boyards. Vas-y. Ok. Moi, j'ai trouvé un petit cadeau pour ton chemin. Ils sont. Tu fais confiance? Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est pas vrai. Bon, combien de clés passe-partout? C'est du training, c'est pour renforcer ton mental. Ouais, on va régler des comptes. C'est tout dans la tête. Combien de clés? 3, super, on perd pas de temps. On y retourne. Et pas trop vite, passe-partout. Hein. Ouais. Pas bien l'équipe aujourd'hui? Je trouve que tu es une équipe de grand talent. Il faut bien le dire. Bravo Adeline pour la vigie. Pas simple de résister aux énigmes du perforat. Alors maintenant, pour cette cellule ici, je vais demander à Tomer de venir me rejoindre. Bien. Et confiance. T'aimes bien les bêtes? Bêtes? Pourquoi les bêtes? Les petites bêtes? Non, pas du tout. Non, il y a une surprise. C'est vrai qu'il y a une surprise dedans. Je vais pas t'en parler, sinon c'est plus une surprise. Voilà. D'accord. Sache simplement que la clé, elle, est inoxydable. Ça devrait vous mettre sur la voie. Bonne chance. Allez. C'est parti. Allez. Allez, il va nous faire marrer, là, je pense. D'accord. Allez, il faut qu'il grimpe, Jean-Adeline. Tu peux te mettre contre la porte, le guider un peu. Allez, c'est pas des petits pas. Et le mieux, c'est de passer par... Le mieux, c'est de passer par le côté ci. Et si tu te casses la figure, tu passes... N'en mets pas à côté. Essaye de mettre le maximum dedans. Il y en a pas mal à côté. Allez, des petits pas. Faut qu'il regarde droit devant lui. Essaie de mettre le maximum à l'intérieur. Écoute, je pense qu'il a compris ça. Je sais pas. Ah là là, ça passe beaucoup à côté. Allez. Passe communicant. Allez. La clé va remonter dans le compteur. Donnez l'équilibre. Donnez fort. Passe au compteur. Pas sur la tête, l'eau. Dans le réservoir. Attention, tu verses. Il est pas tombé encore, il a quand même de l'équilibre. Super. Allez. Il est au top. Super. Ouais. C'est pas mal, c'est du bon. Ils ont mis une corde. C'est une corde qu'il y a sur le... De quoi? Il y a une corde. Oui. Super. C'est pas facile. Hein. Bien. Ouais. Allez. Oh là là là. Ouais. Vas-y, grand, vas-y. Vas-y, c'est pas ridicule. Crois-toi. Donc, c'est de dire les supports, super. Allez, faut continuer. Hein. Ouais. Allez. Il n'est pas tombé une fois. Allez, vas-y, continue. Super. Ouais, Thomas, reste bien. Il est formé pour ça. Allez, faut pas que ça... Allez. Ok. Allez, encore. Ouais. Allez. Vas-y. Surveillez bien le temps. T'as le temps pour un saut encore. Vas-y.
regarde, elle remonte bien là, super, super. Encore un saut, vas-y. Encore un saut, vite ton mère, encore un saut, vite. Presque là. Allez, vas-y. Vite. Allez, là, il peut passer. Vite. Oh là là, il te manquait un saut, Tomer. Un saut. Le dernier, t'en as renversé tout autour de toi. Ça va? Ouais, ça va. Hein? T'as les idées claires? Il fallait encore un saut. T'auras moins chaud maintenant. Vous avez mis une petite ficelle au milieu. La petite corde. Tout est dans la petite corde. Non, mais aide. Une petite corde, putain. Super bon équilibre quand même. Et ne me postillonne pas dessus. Il a bien transpiré, hein. Bon, on va pas de clé pour cette fois, mais on va se refaire tout de suite. Passe partout. On y va. Je te laisse mal temps de souffler. Allez, on y retourne. Bon. Alors là, on peut pas gagner tout le temps. Hein. Pour porter chance. Bah, c'est pas une loi immuable comme ça. Il en peut plus. Toi, vous avez mis une petite ficelle. Vous avez mis une petite ficelle. Tu sais quoi, elle existe depuis que Perforin a pris possession des lieux. Hein, c'est pas bien, c'est du vice. C'est qui t'a dit que le fort n'était pas vicieux? Bon. Combien de clés pour le moment, Passepartout, s'il vous plaît? Ça nous en fait 3. Très bien, merci, Passepartout, tu es bien aimable. 3, ce n'est pas suffisant. Nouvelle épreuve maintenant. Pascal. T'avais rien à faire. Oui, je te voyais là un peu, je sais pas, un peu avachi. Approchez-vous, approche-toi, Pascal, s'il te plaît. Pascal, mon cher Pascal, je sais ce que j'ai proposé. Je proposer un truc que tu n'as jamais fait de ta vie. La lévitation. Lévitation. Oui, d'accord. Lévitation. Un truc fou. Il y a un truc, hein, bien sûr. Attention, Pascal, bonne chance. C'est parti. Allez, Pascal, on est avec toi. Ouh, ça, c'est compliqué. Venez l'aider. Les étriers suspendus. Il faut qu'il mette ses pieds dans les étriers qui grimpent. Comment à la je fais corde. Pascal, tu grimpes à la corde. Grimpe à la corde pour mettre tes pieds dans les étriers. Grimpe à la corde et va choper le truc pour mettre tes pieds dedans. Allez. Grimpe. Il faut qu'il descende, là, qu'il reste pas sur l'escalier. Hein. Descend, il attrape la corde. Vas-y, grimpe dessus. Allez, voilà. Tout dans les bras, pas de soucis. Voilà. Pascal. Et n'oublie pas, laisse toujours tes pieds dedans. Ok. Et maintenant, il faut qu'il fasse un peu le balancier. Okay. Allez, fais le balancier, décroche, prends un rythme. Faut que t'aies un rythme. Super. Bien. Ah non, ouais, mais. Ah non, droit, c'est. C'est pas grave, t'es super fort, tu y arriveras. Non. Allez. Décroche ce t'as dans la main gauche, toi. Ouais, très bien. Allez. Vas-y. Il faut qu'il se retourne. Vas-y, mais. Allez. Ouais, mais t'es pas à l'endroit, mon frère. Et puis il a sorti son pied de l'étrier, ouais. Tu vois. Après, c'est pas évident de. Faut qu'il l'égale. Vas-y. Remets-toi dans le bon sens. Décroche celui que t'as dans le bras gauche et mets-le à ta gauche. Ouais, très bien. Voilà. Contorsionniste. Vas-y. Allez. Toujours les jambes bien tendues. Ça va, il a encore le temps pour l'instant, mais il faut qu'il se rattrape. Vas-y. Allez, fais le balancier. J'aimerais bien faire le balancier. J'aimerais bien faire le balancier. Fais le balancier, super. Allez, tout va bien. Faire le ballon. Tout va bien. On surveille le temps pour toi, t'inquiète pas. Vas-y. J'aimerais bien faire le rythme, faire pas le rythme. Encore deux et super. C'est bon. Accélère et tu l'as. Vas-y. Super. Pas mal. Allez, laisse ça sortir. Alors là, c'est vraiment une équipe en béton. C'est pas grave, bien joué. Mais toi, rien de tes frères. Le balancier. Les étriers, le manolier, c'est comme des épreuves super difficiles. Mais j'ai rien compris. T'as rien compris. Mais tu t'es bien rattrapé. Mais tu l'as fait, t'as réussi. En tout cas, on en a encore. Combien de clés passent partout? FAM, non? FAM. Bien joué. 1, 2, 3, 4. FAM. Joli. 4 clés, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je vous rappelle qu'il vous en faut 5 minimum pour ouvrir la porte du trésor. Donc on y retourne sans plus tarder. C'est parti. Vous avez le bon petit gargouille ou bien? Joli. 4 clés, pas mal. Parfait. Parfait, 4. Plus qu'une pour avoir, on va dire, le minimum requis. Et alors, soyons fous, envisageons même les 7 pour que la porte s'ouvre totalement. Bien sûr, allez. T'inquiète pas, les 7, on les aura, mon poulet. Ah, ils sont sur 2. Hein. Oui, je sens qu'il y a de la niaque. Il y a de la niaque dans cette équipe. Stéphanie,
Viens, approche-toi. Non, je ne te ferai rien. Stéphanie, je suppose que tu as déjà perdu tes clés et que tu as souvent besoin de mettre du temps pour les retrouver. Mm-hmm. Un petit cours là maintenant, tu vas voir. Dès que tu les auras perdues la prochaine fois, tu vas les retrouver, mais en deux coups de cuillère à peau. Enfin, je l'espère. Bonne chance à toi, c'est par ici. Attention, garde le bon oeil surtout. Allez, c'est parti, regardez bien, il y a trois petits cadenas ici pour récupérer la clé. C'est Stéphanie qui va nous aider à les récupérer face à elle, le manipulateur. Voilà, c'est le jeu des gobelets. Et il a déjà changé. Donc deux solutions, soit... Il a remis dans celle du milieu. Elle a la réponse et c'est évident pour elle. Soit elle dit complètement l'inverse, c'est gobelet, c'est géant. À gauche! À gauche! Non, attendez, attendez, un conseil, si vous parlez tous à la fois, vous n'entendra pas. Peut-être un à la fois qu'on a conseillé. Vas-y, Matt. Elle est où, là? Là, elle est au milieu, à gauche. Et dites-lui bien qu'elle sort que pas. À droite! Non. Au milieu! À droite! Au milieu! Ok, c'est pas grave, on continue. Dites-lui bien qu'elle ne sorte pas dès qu'elle aura une clé. Il en faut trois des petites clés. Il te faut trois petites clés, Steph, hein! Tu sais, j'essaie d'en avoir une. Au milieu! Non, tout gauche, tout gauche! Voilà, tout gauche! Attends, vas-y, Tyrone. T'as regardé, là? Regardez bien. Oh là là, j'ai moi. Et le temps, vraiment. Vous faites piéger parce que non, il faut vraiment, quand vous avez l'idée que ça vous vient comme ça, proposer l'inverse. Là, ici, là. À gauche. Et... Vous êtes aussi bon que moi. Ouais, bah t'as vu, hein. Faut essayer de la laisser faire. Essaye de la laisser toi, faire. Vas-y, à toi, fais. Ah, voilà, ouais. Allez, il y a encore deux, encore deux. Allez, allez. Je les lâche pas. Au milieu. Ah Encore une, Steph. Tout va bien, surveille la clepsydre, ouais. À droite. Faites-lui confiance. À gauche, j'avais dit. Allez, on a encore le temps. Ouais, il a changé. Oh, encore, t'as le temps, encore une. Prêt pour ouvrir les cadenas. À gauche. Encore une. Tombez pas, ouais. Allez, vite, faut ouvrir les cadenas. Sors avec les clés. Les trois petites clés, Stéphanie. Sors. Super. Allez, faut ouvrir le cadenas, on y va. Vite. Hop là. Tac. Et deux. Faut les bonnes couleurs. Super. Vous n'avez pas été de très bons conseils pour Stéphanie au départ, hein. Ça a dû la perturber un petit peu. Tiens, Steph, enlève-la. Jolie. Très bon instinct. Bravo. En plus, non, c'est bien joué. Et ben voilà, on a nos 5 clés. Ça va? C'est le minimum pour que la guille. Non, on est. Qu'est-ce qu'on fait? On tente une 6e clé. Allez, on y va. Allez, on y retourne. Bravo. Allez, on a vu. Je sais pas ce que vous avez mangé, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont mangé du lion. Ah oui, du lion, enfin du tigre devrait-on plutôt dire, pour rester raccord avec le fort. Bravo Stéphanie, une clé supplémentaire pour l'association, puisque vous le savez, toutes ces clés seront en rapport avec le trésor que vous récupérez tout à l'heure. Adeline. Ah. Prenez donc, cher enfant. Allez, Adeline, motivée. J'aime bien parce que oui, alors pour la motivation, elle est molle hein, pour l'instant. Ouais, ça y est, ah, très bien, parfait. Adeline, quelle est la capitale du Costa Rica? Très bien, merci. Eh bien, tu vas réviser ta géo, c'est par ici. C'est les cinq. Attention, c'est parti. On va, efficace comme chez le parfois. Hein. Allez, c'est parti. Allez, Adeline. Alors, il faut qu'elle sorte le ballon du panier pour trouver le coffre qui est à l'intérieur. Allez. Kero. Du rythme. Regardez bien. Barcelone. Avant. Écoutez, quelqu'un. Quelqu'un écoute, s'il vous plaît. Santiago. Rome. Ne les mets pas devant la porte. Ne les mets pas devant la porte. Sydney. Cette cellule à prisonniers, il faut absolument la clé pour sortir. Ah, okay. Allez. Sydney, on a un bon rythme. Shanghai. Allez, faut trouver le coffre. Balance les autres côtés un peu. Oh, c'est bien.
Bogota. Continue, continue. Elle peut peut-être accéder au coffre, là. Allez, oh, dedans, elle n'est pas au coffre. Voilà, super. Allez, dedans, il y a une petite information qui va la renvoyer. Ok, ouvre le coffre et dis-nous ce qu'il y a écrit dedans. Elle peut l'ouvrir. Mexico City. Mexico, donc ça doit être à l'intérieur. Ok, on l'a pas vu sortir, Mexico. On l'a pas vu sortir, hein. Il est peut-être dedans. Allez, c'est vas-y. Physique, cette épreuve, elle s'en sort super bien. Hein. Ça, ça continue, continue. Allez. Allez, allez, allez. Il est peut-être sorti, on l'a peut-être sort, pas vu. Sort, hein, ouais. On sort. T'as le temps, hein, t'inquiète pas, tu t'en sors bien. Mexico, là, super, là. Allez. Je vais faire la petite corde. Shanghai. Shanghai, je l'ai balancé. Shanghai. Viral. Oh là là. Vas-y, c'est bon. Macao. Quoi? Macao. Tu l'avais balancé ou pas? Vite, 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 ça. Regarde dedans. Faut qu'elle remonte. Ouais, ouais. Allez, vite, sors, sors, vite, 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 sors, sors, sors. Non, 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 non. Je sors ou pas? Oui. Il faut la clé pour sortir. Regarde, il y a une grille. Ah là là, c'est pas vrai. Ah là là, non, c'est fini. Je l'ai, la clé. T'es à deux doigts, Adeline, là. Ouvre la grille. Et non, elle peut... C'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Bon, alors vous, quand vous loupez les épreuves, c'est toujours de justesse, toujours de ça. Rassure-la, dis-lui que la boule va venir la chercher. J'espère que vous pourrez la libérer. Ça va être très rassurant. Tout à l'heure. Bon, allez, oh, Adeline. Là, là. Dommage, dommage. Adeline, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a la boule qui va venir te chercher. Ah, ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Il est très sympa. En tout cas, bravo, tu t'es bien défendu. C'est hein. Énorme, bravo. Bon, écoute, tant pis pour cette fois, mais en tout cas, j'espère que... Anne-Gaëlle, l'équipe, je suis bien désolé pour Adeline, qui va en effet se rendre compte que la boule n'est pas forcément toujours très sympathique, mais on ne parlera même pas des prisons, qui, elles, pour le coup, sont vraiment inconfortables. Vous le savez, le père Foura prétend être le champion toute catégorie de l'énigme. Est-ce que Tyrone a envie de relever le défi pour lui rappeler le titre? Ce serait pas mal. Pour la vigie, donc, Tyrone, et vous, vous venez me rejoindre ici. Allez, c'est Tyrone, parti, vous suivez. Hop, on passe partout. Bravo, Adeline. Et tu lui donnes des coups à la boule s'il est pas sympa. Hein. Bien, voici Tyrone. Eh bien, le comble pour un chanteur, c'est tout de même de déchanter. Allez, allez! Venez, venez, montez jeunesse. Bienvenue, mon petit Tyrone. Installez-vous, prenez vos aises. Comment ça va, tout d'abord? Ça va, mortel. Oh, j'adore votre look. Oh, vous pensez que je pourrais me faire un... Ouais, un désolé, ça, c'est long. Ouais. C'est long à faire, ça? Ouais. Bon, alors, écoutez, voici, je vous donne le tempo. Vous me dites si c'est trop rapide ou trop lent. Trop rapide. Alors allez, 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 à vous. On va faire crank. Allez, à vous, à vous, à vous. Allez. Arrête, on va pas parler, c'est pas sérieux. Oh. Il est pas sérieux, le parfois. Bon, oh, bah alors, je voulais vous entendre, moi. Bah, écoutez, bah, j'espère que je vais vous entendre maintenant. Hein? Alors, donnez de la voix maintenant. Ouais. Écoutez bien. Voici l'énigme. Les étoiles le voient souvent rouge. Rois et valets peuvent l'embrasser. Bien des marchands l'ont négocié. Il se peut même qu'il vole s'il bouge. Qui est-il, je répète ? Le sable. Non, les étoiles le voient souvent rouge. Rois et valets peuvent l'embrasser. Bien des marchands l'ont négocié. Tapis il rouge. Se peut même qu'il vole s'il bouge. Il vole, tapis volant. Allez, allez. Les étoiles le voient en rouge, les stars, le tapis rouge. Les étoiles le voient en rouge. Je sais pas. Soleil, je sais pas. Bon, alors, non, c'est tout. Bon, oh, bah dites-moi, oui, ça avait l'air d'avoir un petit peu de mal à couler, ce sable. Hein. Bah écoutez, en tout cas, c'est trop tard. Et c'était le tapis. Eh oui! Mais t'as été méchant avec moi, c'était trop dur! Et puis le tapis de jeu, et puis les marchands de tapis, et puis le tapis volant des mille et une nuits, et bah. Tant pis. Et bah tant pis, le tapis! Bon, allez, allons-y, allez-y. Bien, bien, bien.
Bon, allez, je vais la remettre dans le placard, regardez le sourire. Et oui, tapis, là, il s'est pris les pieds dedans. J'en forme, moi, bon. Bon, ben voilà, c'était tapis, Stéphanie, il l'avait. Oui, tu l'as trouvé tout de suite. Ouais. Bravo. Mais malheureusement, tu n'y étais pas. Non. Dommage. C'était Tyron, résultat des courses. Malheureusement, une clé qui n'est pas pour vous. C'est pas le moment de baisser les bras, loin de là. Rappelle-moi un truc, Pokora, ça veut dire quoi encore? Humilité en polonais. Ah, très bien. C'est écrit sur ton bras, d'ailleurs. Ouais, c'était le premier tatouage que... Et Matt, il paraît que en inuit, ça veut dire la ventouse. T'es sérieux? Non, c'est pour mon lancement. Ah, tu sais, moi, je suis capable de dire n'importe quoi pour relancer l'épreuve. Alors là, voici cette ventouse. En partant, tu peux utiliser maintenant cette échelle pour aller rejoindre l'épreuve qui t'attend. Tu la tiens. Fais très bien, attention, Matt, bien. Sur cette épreuve. Le tout, c'est de ne pas perdre pied sans le poser. Ça va loin. Tu te jettes sur le filet, tu ouais, mais bien. Tu la tiens bien en main, hein, et tu poses rien par terre. Attends. Et tu n'oublies pas, c'est aller-retour, je crois. Chut, j'ouvre. Ah, c'est ça. Ouais, c'est aller-retour. Et attention à tout ce qu'il y a au mur aussi, Matt. Matt, n'oublie pas de faire rien tomber. Alors attention, c'est bon? Ouais. C'est parti. C'est aller-retour, Matt. Oui, c'est aller-retour, ouais, ouais. Les pieds devant. Allez, vas-y, engouffre-toi. Bon, alors la clé, elle se trouve devant lui. Regarde où est la petite clé. Vitrine. Regarde où elle est la clé. Et attention qu'il s'appuie pas avec la ventouse sur les murs, hein, surtout pas. Hein. Oui. Putain, c'est chaud. Ça va lui servir juste pour retirer le couvercle de la vitrine. Attention au cadre. Attention au cadre. Fais gaffe que le cadre tombe. Il y a des livres dans la bibliothèque, que ça tombe pas par terre, hein, sinon l'alarme va se déclencher. Attention de ne pas faire tomber les livres également. Allez, hop, sur les pieds, t'as les livres, fais gaffe à pas aller. Allez, il monte sur la corde et ensuite il passe comme des espaliers sous l'échelle, pas dessus. Passe sous l'échelle. Allez, allez. Assure bien ses appuis et il faut qu'il se lance. Non, tu passes sous l'échelle, voilà. Sous l'échelle. Voilà. Allez, de la force dans les bras. Allez, vas-y. Ouh là là, attention, on s'accroche. Allez, respire bien. Avance. Attention, fusée, Thomas. Les gars, pas de faire tomber le fusée. Il peut reposer ses pieds là sur le petit appui, voilà, super. Allez, tire, voilà. Ok, ouais, super, bien, super, bien. Respire bien. Bon, alors là, le hamac, là, j'aime pas. Tu te gis. Alors, soit il saute, soit il prend appui, non, mais... Non, non, vaut mieux que tu... Et il a le temps, hein, qu'il se lance pas non plus dans la foule. Qu'il pose son pied peut-être en premier sur le hamac, qu'il prenne appui et qu'il s'allonge dessus. Tu peux te jeter dessus? Non, jeter, c'est bof quand même. Hein. C'est risqué. Voilà, là, 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 là. Matt, attention à toi, là, hein. Ah, c'est dommage, je l'avais fait lentement. Ouais, bah là, tu peux la balancer, la ventouse. Dommage. Bon, bah, même principe que pour Adeline, hein, Tomer. Dis-lui que la boule va venir la chercher. Je pense que par contre, il sera beaucoup moins sympa avec Matt qu'avec Adeline. Il y a des chances. Bravo, Matt, c'était bien quand même. Tu t'en es bien tiré. On se retrouve tout à l'heure, j'espère. Hein. Compte sur tes camarades pour te libérer. Et nous, on fonce à la prochaine épreuve. Faites libérer, Matt, t'inquiète nous pas. Nous en faut une autre. Une sixième clé, ce serait l'idéal. Allez. Et c'est ce que je craignais un peu, c'est qu'on est en phase de plateau, comme on dirait. On est de moins en moins nombreux. Oui, d'abord on se réduit de plus en plus, et de plus, plus de clés pour le moment. Pascal, ça va toujours? On est parti trop fort, je crois. Non. Vous allez vous refaire. Tu veux dire que tu es cuit? Non. Très bien, parfait. Tomer, c'est pour toi. Tomer, c'est pour toi. Tu vas voir, sur ce fort, on s'amuse avec très peu de choses. Ah bon? Oui, tu vas voir, quelques balles, un petit trou, enfin tu vas voir. Et alors, en plus, comme tu es une étoile montante, le planétarium, c'est fait pour toi. Ah. Tu vas voir, attention. Allez, Thomas. Viens avec moi. Qu'est-ce que voilà. C'est que ça? Je lui dis bien qu'il regarde la clé, elle est dans la boule, juste devant lui, et qu'il s'engouffre maintenant, qu'il entre. La clé, elle est dans la boule. Voilà, et qu'il passe sa tête dans le trou, au milieu, il a deux poignées rouges, tu vois. Voilà, super. Okay. Et il a l'envers, là, il a l'envers. Faut il a l'envers. On sort. Ouais, bah non, arrête, il va s'enfoncer. Non. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Enlève les deux mains, tu mets la tête de l'autre côté. Dans l'autre sens, Thomas, tourne-toi pour avoir les poignées face à toi. Quoi? Tourne la tête. Tourne-toi, voilà. Ok, super. Bon, alors là, il y a plein de planètes, différentes boules, de différentes couleurs, de différentes tailles. Il faut choisir la bonne boule dans la petite robe qui se trouve sur sa gauche. Pascal, t'as une bonne voix, vas-y. J'ai pas capté le principe. Tu rentres l'une des boules dans la robe qui est sur ta gauche. Sur la gauche. La rampe. Pascal, dis-lui, à ton avis, quelle boule? Jaune, rouge, regarde bien. La rouge, hein, Pascal,
mets-toi contre la porte parce que t'as une voix qui porte. La rouge, c'est pas mal. C'est une belle la rouge dans la... D'accord. Dans la rampe. La rouge dans la rampe de gauche, c'est ce qui va permettre de débloquer la clé. Ça va être... La rouge. Ouais, ouais. La rouge. La rouge, c'est la rouge. Pas l'autre, elle est trop grosse. Ça ouais, la rouge. Oui, pas mal, il est pas loin. Tu es prête? Allez. Continue, voilà. Ok. Là, il faut ouais, super vas-y. Doucement. Voilà. Oui. Ouais. Pas mal. Je ne fais pas tant. Allez, et ressort doucement. Il va retrouver la clé sur son chemin qu'il n'oublie pas encore. Elle est où? N'oublie pas la clé, hein. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où, là? Ressort, elle est sur ton passage. Elle est sur ton regarde, passage. Regarde, la boule est libérée. Tu l'attrapes, tu l'arraches et tu ressors. Et c'est parfait. Joli. Ça va? Easy. Ouais, j'ai pas tout de suite capté le bah principe. Bah oui, tu t'es mis comme ça. Ouais, je me suis mis à l'envers. Il faut être super précis, t'as bien joué. T'es au top. Bon, pour partir. J'ai bien acheté pour l'équipe. Et combien de clés? Ah, voilà, ça veut dire que la porte va s'ouvrir encore plus, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On y retourne, on entend une septième. D'accord. Allez, septième. Tu veux que je rentre là-dedans là? Allez. Hey, t'es pas sérieux toi? Je ne sais pas si nous rentrons avec toi. T'es sérieux là? La boule. Hey, mais la boule, je peux avoir un petit peu d'eau? Voilà. Et parfait, sixième clé maintenant à votre actif. Très bien joué. Parce que nous avons donc six clés maintenant, je dis nous parce que forcément, comme vous gagnez, je me mets dans le groupe. Vous allez eh bien maintenant perdre encore un compagnon. Il s'agit de Tyrone. Mm. Tu vas suivre passe-temps Tyrone pour te préparer pour la suite. Tu verras. Okay. C'est quelque chose qui devrait te plaire. Allez, on est avec toi. Super. Voici maintenant un nouveau type d'appartement. Vous allez voir, c'est formidable, c'était épatant. Le plafond est modulable. Ah, c'est pas bon. Ça. Ah, c'est pas bon. Vous allez voir, le problème, c'est qu'il faut pas mesurer non plus 4m20 comme Pascal. Et malheureusement, c'est Pascal qui va. Ah, 1m98, ça va pas être. Attention, Pascal. Allez Pascal. Peut-être une septième clé pour ton équipe. C'est parti. Tu vas avoir plein de. Allez, tu vas avoir plein de. Qu'est-ce que je fais? Plein de clés au plafond, je crois. Ouais, ouais, regarde, le plafond, il va. Ok. Faut que tu arraches toutes les clés et que tu les essayes une par une dans les cadenas. Qu'ils soient voilà, fais-les toutes tomber. Il les garde dans les mains, sinon il va garder dans les mains. Il y a des crochets, il y a des manies, il enlève tout. Ne laisse pas déconcentrer par tout ce qui va péter autour de toi. Allez, faut qu'il commence à utiliser les serrures. Mais faut... Essaye les clés. Ah bon, vas-y, commence à. Où ça? Ouais. Essaye les serrures. Toi. À tes pieds. À tes pieds dans le coffre. T'as trois cadenas, essaye de les ouvrir. Voilà, et quand la clé est bonne, il la laisse dans la serrure. Quand ta clé est bonne, tu la laisses dedans. Il se met dans l'autre sens, c'est plus facile pour ouvrir. Apparemment, c'est plus facile à ouvrir si tu te mets dans l'autre sens. Les serrures face à toi, Pascal. Tu seras en meilleure position, voilà, super. Allez, essaye-les toutes, hein. Bah oui, j'écoute. Ça va, il a... On est une équipe, non? Allez. Tu lui dis bien, surtout quand la clé est bonne, dans la bonne serrure, qu'il la laisse dedans. Il reste combien de clés au plafond? Il en reste encore quelques-unes, hein. Nous, on voit deux, là. Moi, j'en vois deux. Ouais, bien, ouais, bien, joli, bien. joli. Il est méthodique, concentré. Et il fait les doigts à la poêle. Allez, il en reste encore pas mal. Il y en a encore une, là. Je sais comme ils sont, ils vont les mettre là. Surveillez bien le temps, il faut encore qu'on puisse sortir, hein, qu'ils se fassent piéger. Allez. Il y en a une sur ta gauche. Tout en souplesse. Septième clé, ce qui veut dire que la grille de la salle du trésor va s'ouvrir entièrement. Ouh. Bravo monsieur, génial. Merci pour les consignes. Classe. Et en plus, vous n'avez même pas utilisé tout le temps de la première partie, ce qui veut dire que ce temps va se rajouter aux aventures pour récupérer des indices en plus. Donc je vous dis bravo, c'est juste super. L'enfant, il a tout réussi, bien. Non, mais c'est pour l'association. Eh bien, hey, un petit cri d'hier à trois. Allez. Vous le sentez? Allez. FAM hein? Mais pourquoi? Parce que... Salut. Je vous laisse suivre Passepartout, moi je peux pas vous suivre, je vais aller rejoindre Tyrone. On se retrouve tout à l'heure, bonne chance pour la suite. Génial.
Pour accéder au conseil, l'équipe doit impérativement entrer en possession du cristal. Le cristal est enfermé dans la salle des empreintes, au bout d'un passage parsemé d'obstacles. Un des membres de l'équipe doit plonger sous les fondations du fort pour atteindre la salle des commandes, seul endroit qui permet de déverrouiller les obstacles du passage. Dans sa progression, l'équipe doit délivrer ses éventuels prisonniers. Car la révélation du cristal n'est possible que lorsque les six membres de l'équipe apposent simultanément leur main droite. Bien, mes amis, nous voici devant la porte du passage. C'est un moment important, puisque une fois que vous aurez pénétré à l'intérieur, vous pourrez récupérer à la fois vos deux prisonniers, et puis surtout, dans la salle des empreintes, le cristal qui vous autorisera à entrer dans la salle du conseil dans un instant. Bon, Tyrone, jusque-là, vous êtes tous super bien entendus dans l'équipe, donc dis-toi que là-dessous, si tu parles distinctement, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, ok, okay. Donc toute la pression repose sur tes épaules. Je vais te laisser aller t'installer au poste de commande, récupérer toutes les indications nécessaires pour guider les autres dans le passage jusqu'au cristal, et surtout libérer Matt et Adeline qui sont en prison. Donc vraiment, je compte sur toi, je te souhaite bonne chance. Je vais t'aider, te guider jusqu'à l'échelle. Okay. Hop, te préoccupe pas du câble. Alors, l'écran que vous avez là devant vous va nous permettre bien de voir Tyrone avec... scaphandre. Sans scaphandre, voilà. Pénétrer dans la salle du contrôle qui est immergée. Sachez que c'est lui qui vous donnera donc toutes les explications sur tout ce que vous aurez à faire dans le passage. Que ce soit par rapport à l'ouverture de certaines portes, par rapport à certaines manipulations. Je vous en dis pas plus parce que lui seul sera à même de vous donner précisément ce que vous aurez à faire. Et voici qui pénètre. Bien sûr, c'est pas simple d'évoluer séquence avec... émotion. On n'en est pas loin, en effet. Bon, le voici qui va prendre maintenant position. Stéphanie, tu peux faire un essai. Tu m'entends, Tyrone? Ouais. Alors, là, on va commencer par l'ouverture de la porte d'entrée du passage. Voilà, il est en train de manipuler l'ouverture de la porte. Oui, c'est bon. Dis-lui, Steph, que c'est bon. C'est peut... bon. Parfait. Bonne chance à vous trois. Merci. Et à tout à l'heure. Hein. Bon passage. Voilà, il faut que tu nous guides. Hein. Ok. En fait, vous allez devoir débloquer et faire face au tiroir. Donc, il faut mettre la poignée du volant à l'est pour débloquer le bas de la porte. À l'est. À l'est. C'est là-bas. Là. C'est là-bas. Ok. Après, ah, voilà. La poignée à l'est, voilà. Après, je mets la tête à l'intérieur. C'est bon. Et en avant. Tête en avant, il a dit. Ah, ouais. Tête en avant. Allonge-toi. Ok. Attention, je pousse. Range tes mains, je crois. Non, il devrait prendre. Donc maintenant, il faut que tu fermes le tiroir et que tu ressortes de l'autre côté. Ok. Ok, d'accord. Ok, super. Attends. Doucement, attention à ta tête. Avance à ta tête. Fais gaffe à ta tête. Voilà, ok, super. C'est bon? Ouais. Et la famille? Tu me dis quand t'es bien? Dis-moi tes grandes jambes là. C'est bon? Non. C'est bon? Ouais. Ok. Ouais, c'est bon, Tyrone. On okay. Est tous les trois sortis. Ok, super. Donc maintenant. On va procéder à l'ouverture d'une prison. Ah. Quoi? Donc normalement il y a trois tubes, vous les voyez? Ouais. Donc il faut qu'un de vous mette la main au fond d'un des trois tubes et tournez la manette. Vas-y, t'as l'air. Pascal? Oui? C'est quoi la marque de ton caleçon? Ça y est, c'est tourné. Ça y est. Ok, donc la prison est ouverte, on continue. Ok. Oh. Oh. Donc normalement, il y a une porte avec des codes. C'est du braille. Voilà. C'est qu'il va falloir que vous m'indiquiez en fait. Ok, ce qu'on voit, écoute bien. Ok. Alors, sur la plaquette de gauche, ouais. Il y a deux boutons superposés à gauche, en haut à gauche. Ouais. D'accord. Et un bouton
tout en bas à droite. Ok. Et à droite. Ah ouais, sa tête elle est là. Il a gagné. Et il y a un nœud de ouf. Comment je l'ai pour enlever ? Il y a quatre boutons en haut qui forment un carré en haut et un bouton en bas à droite. Attendez, on recommence le premier. Le premier chiffre. Le premier chiffre, c'est deux boutons superposés à gauche ouais, et un bouton en dessous à droite. Ok, donc c'est le 2. Oh, bâtard. Mais non, mais si tu mets ta tête face à moi, là, je vais un peu skipper, mon pote. Et le deuxième, c'est quatre boutons en haut qui forment un carré ouais. Et un bouton en dessous à droite. Ok, c'est le 7. Le 7. Le 7. Il n'y a rien pour s'approcher. Vous avez tué des chevaux pour faire ça? Ouais, c'est du grand jeu, ce qu'il se passe. Ah, t'as ouvert, d'accord. Ah, merci. Cool. Donc, faut passer, là. Oh non, putain, vous avez déconné. Faut mettre la main dedans, c'est ça? Ok, d'accord. Faut mettre la main dedans, là, il y a trois tubes. Attends, excusez-moi les gars. Tyron, tu nous entends? Aïe, putain. Deux minutes, je me repositionne. Attends. Ok. Ok. Non, non, il est là, il est là. Bon, maintenant on va encore ouvrir notre prison. Donc il faut mettre la main dans un des trois bacs. Ok, ok, c'est bon, je l'ai. Et tourner la manette. Ok, la prison est ouverte, c'est bon. Ah, ben là, on va voir. Salut les petits gars. On est devant une grille, c'est normal. On est devant une grille. Voilà. Donc là, c'est une porte à guillotine. Donc il faut que vous abaissiez la guillotine en dévissant les boulons qui sont en dessous. Voilà. Parce que c'est de porter son pantalon en dessous des fesses. T'avais raison, maman. Tiens, tu peux tenir mes mains. Il faut soulever la grille pour dévisser. Faut la soulever. Tiens, tiens-le, s'il te plaît. Tiens-le, tiens-le, Verlo. Tiens-le, Verlo, s'il te plaît. Pousser tes fesses. Je suis pas sûre que ce soit comme ça que ça se passe. Pour moi. Chez nous, les poteaux. Ça sent le caca chez vous. Super, Stéphanie. Continuez à les guider comme ça, c'est super. Vous leur un petit coup de fouet pour que t'accélères.
Super. Et lâche mes pieds, mon frère. Allez avec tes grandes jambes. Pas de problème. Eh, hey, tu veux pas nous chanter une petite chanson? Super, Pascal. Ça sent la pisse. C'est pas super propre. Désolé, les gars. Oh là là. Oh. T'inquiète. Maintenant, elle est au code, on recommence la manip. Donc, alors, à gauche. Ouais. Deux boutons tout en haut, gauche et droite. Ouais. Un bouton juste en dessous, à gauche. Et un bouton encore en dessous, à droite. Ouais, ok, 6. Et à droite, deux boutons à gauche et à droite tout en haut. Et un bouton tout en bas à droite. Ok, c'est 63. Et sur le premier, c'est tout en bas le bouton. Hein. Bon, je reviens. T'as trouvé? Ouais. Ça y est, c'est bon. Attention, j'ai peur de me payer la foule. Eh, regarde! Ouais. Ok. Y'a un truc par là aussi? M2 de pied, papy, c'est ça l'équipe. Faut remonter là. Donc on monte là? Ouais. Tyrone, what up, Doc? Là, vous allez rentrer dans la salle de. Eh, mon pote! C'était quoi le jeu? Eh, Tyrone, si je te mets un beat, tu me fais un petit speed comme le beat? C'est parti, vas-y. Ok. Speed comme le beat, t'es le kick, là je m'applique, Tommy. Toujours ma clique, c'est les déclics, quand je rapplique, Tommy. Je prends l'équipe et je kick sur mon beat, Tommy. Je donne pour les types et les tits, go big, Tommy. Yeah! Oh, comme t'es mignon! Ah, et puis t'es mis avec tes potes! Et salut les pépés! Alors. J'ai même à la maison. Tyrone ? Oui ? Et pour Adeline ? Oui ? Elle est là ! Ah bah d'accord. Adeline ! Ok, non, c'est bon, elle est avec nous. Ouais. Ouais. Allez, t'es dans un... Elle est avec toi ? C'est bon, Adeline, tout va bien ? Dans une cellule. D'accord. Donc maintenant, pour récupérer le cristal, il faut que tout le monde mette sa main... Monte ta main. Sur les empreintes, là. C'est bon? Ouais, vas-y. Tout le monde ensemble. Oh. Attention, ça peut être chaud, attention. Vas-y. Wouh. Ok. Bravo à tout le monde. Merci à toi. Merci. Miko, Patayaro, terminé. Mes amis, le passage a été enfin réalisé par nos candidats. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire maintenant. Quoi ça? Oui. Ah, les candidats, oui, bien sûr. Bien. Et quoi, je disais quoi? Justement, passe partout les chercher. Vous, toi aussi, passe-temps. Allez, vas-y. Je savais ce qu'il fallait faire. Oh, ça s'est bien passé, j'ai l'impression. Ah, c'est... Tu t'es régalé? Grave. Raconte-moi un petit peu ce qu'on ressent là-dessous. Je suis pris pour Dark Vador 10 minutes. Franchement, c'était mortel. J'ai même fait un freestyle sous la mer. Beatbox? Ouais, avec Matt et tout, c'était mortel. Voilà, tout va bien. Pas de problème de respiration, donc? Non, ça allait. Hein. L'équipement aussi, pas de problème? Non, ça allait, franchement, ça allait. Bien géré. Ouais. Bon, alors écoute, si le cristal est entre de bonnes mains et qu'en plus les prisonniers sont libres, je te propose de rejoindre le reste de l'équipe. Okay. Je te félicite, c'est super. Parti. Ah, les voici. Revenus à l'air libre. Alors Adeline, ces petits passages en prison. Super, j'adore. C'est... Oui, j'ai cru comprendre. On devrait y passer plus de temps. Tu veux y retourner? J'appelle la boule. Non, hein, non, ça va aller. Matt, toi? La chaussette.
La chaussette, oui. La chaussette dans la prison, ça m'a donné très chaud. C'est... La chaussette c'est tripoteuse. Lourd. La chaussette tripoteuse. Elle t'a tripoté ? Ouais, je sais pas, il y a des trucs qui me chopaient les jambes. Ah, mais ça, c'est les bestioles. Parce que moi, on va pas c'est les bestioles. Il y a des bêtes. Bon, en tout cas, vous êtes bien débrouillés. Parfait, bravo. On ne va pas laisser les muscles se refroidir, ce serait trop idiot. Adeline, tu vas suivre Passe-Temps pour la première aventure qui va avoir lieu dans un instant. Et ça démarre. Ah, oui, non, mais on n'arrête jamais ici. Ah ouais. Faut bien dire, on n'arrête jamais. Ah. D'ailleurs, à ce propos, voici Tyrone qui nous rejoint maintenant avec Anne-Gaëlle. Ah, il a fait un clip. Si, si. Allez, donc, alors oui, vous avez fait un numéro formidable tous un les deux. Un petit beatbox, hein. Timo. Détendu, ah, ouais. Ça va jusqu'au bout. C'est de la classe, ça va être de la tenue. Si, si. J'aime, hein. Bon, quand guerre. Allez, allez-y. Donnez-vous du courage. 3, 4. F.A.M. Hein ? Mais pourquoi ? Parce que ! Très bien. C'est dans l'énergie. Bon, allez, on ne perd pas de temps. Les aventures maintenant, c'est la possibilité pour vous de récupérer des indices, importants bien sûr, pour la salle du trésor tout à l'heure. La cloche vient de retentir, Passe-Partout. Faites votre place. Allez, c'est parti. Tyrone, tu comptes faire des aventures dans cette tenue ? Je te conseille plutôt d'aller te changer, puis tu nous rejoins très vite. Allez-y. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur donne la possibilité de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot-code du jour, nécessaire pour déclencher la chute du trésor. Gagner le maximum d'indices est d'autant plus important qu'un échange contre des clés manquantes peut s'avérer nécessaire ou stratégique pour l'ouverture de la grille. Bien alors, pour cette première aventure, Adeline, te voici sur la balançoire. Impression, là, comme ça, à chaud. Si on m'avait demandé, j'aurais refusé. Très bien, on ne t'a pas demandé, ça tombe plutôt bien. Alors, il va s'en dire, bien sûr. Je me sens vraiment comme une cloche. Mais non, pas du tout, voyons. Loin de là. Bon, alors, bien sûr, pour le mouvement de balancier, il va falloir que tu te fasses aider. Moi, j'avais songé au départ que seule Stéphanie pouvait y aller. Et puis, en fait, je me suis dit que non, le mieux, c'est que Stéphanie, elle, contrôle la situation. Hein, tu vas elle n'a qu'à crier, Stéphanie, pour les encourager. Tu je peux... menace ou... Oui, tu vas les menacer. tu peux les menacer. L'idée, donc, c'est que l'équipe se saisisse du boot ici présent, de manière à t'aider, bien sûr, à t'emparer de la cartouche qui se trouve devant toi. Bon, la distance est importante. Va falloir donc, mes enfants, y mettre vraiment un bon coup. Hein. Bonne chance à vous tous. Mais je suis hyper maladroite si jamais je la fais tomber. Allez, ne discutons pas. Allez, vous êtes sous le contrôle de Stéphanie. Bonne chance à vous. Attention, 3, 2, 1. Faites attention, c'est parti. Regarde là-haut, elle redescend. Oh. Voilà. Allez, c'est comme dans le camion, on tire. Oh. Attention à toi, Stéphanie. Voilà. Essaye de rassurer Adeline, qu'elle garde bien ses pieds calés sur la cloche. Lâche une main. Oui. C'est pas vrai. Mais vous êtes des tueurs, vous. On a battu le record, je vous annonce. Hein. Et je remercie mon fils pour qui j'ai fait cette émission. Et stabilisez la corde. Stabilise la corde, regarde, elle est ballottée dans tous les sens. Attends, si je peux arrêter de faire ma balançoire. Voilà. Frenez-la doucement. Frenez-la tranquillement. Allez, c'est stabilisé, là. Voilà. Ça va, Adeline ? C'est bon, c'est bon. Je suis au top. Et c'est toi qui disais que t'étais maladroite ? Du premier coup. Et oui, fais pas tomber la cartouche chez les tigres. Bon, super. Écoutez, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite. Allez, nouvelle aventure, ça s'achète fort. Ce sera la prochaine victime. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Ah, ils vont partir sans moi ! Oui, t'inquiète pas, tu nous rejoins. Ils vont te déséquiper. Allez, Pascal! C'est hallucinant! Ah, attendez, franchement, sincèrement. Parfait! Qui n'a pas fait de la balançoire, petit? Oui, mais c'est pas le tout d'en avoir fait petit. Encore faut-il après renouveler l'expérience. Formidable, hein? La cartouche donc pour vous, première d'entre elles. Matt, ne perdons pas de temps, tu suis Passe-Temps immédiatement. Okay. Allez. Voilà. Prochaine aventure. Tiens-moi, tout à l'heure. On te retrouve dans un instant. Bien. Ah, Stéphanie, viens près de moi. Aïe. Est-ce que tu aimes les petites bêtes ? Pas trop, non. Est-ce que tu aimes les surprises ? Ça dépend. Est-ce que ça te dirait d'encourager Pascal ? Ouais. Ah. Ouais. Soulagé tout d'un coup. Tu l'as hein. Eh bien, en effet, ce sera le cas. Pascal, viens ici. C'est en effet toi qui vas t'y coller. Mais avec une chance formidable, c'est que Stéphanie va t'encourager. D'accord. Bonne chance. Je t'en prie, entre. Il y a un code à retrouver pour la cartouche qui est ici. Super. Approche-toi de la porte ou de la Ah, tu vas t'amuser avec tes potes. Allez, tu rentres par la petite porte.
Tu te serais senti capable de faire non. ça Non, il y a des araignées. Tout doucement, hein. Scorpion, je vois le code. Ok, je vois le code, c'est une bonne chose. Dis-lui que le petit papier, l'indice qu'il doit trouver, se trouve sur l'une des pinces des scorpions. L'indice est sur une des pinces des scorpions. Il a vu. Le code, il est en deux parties, donc il faut trouver deux papiers. Donne au scorpion. J'essaie de pas lui faire mal. Scorpion, araignée, ça peut se trouver partout. Alors, tu vas lâcher ça, s'il te plaît. Attention, en plus, il y a des leurres, il peut y avoir des papiers vides, donc j'espère que ce sera le bon du premier coup. Tu es mon ami, je suis ton ami. Il est super à l'aise, mais c'est pas bon. Allez, arrête de faire ta tête, là. Ça gigote. Il a fait des élevages de scorpions dans sa jeunesse, non? Allez, c'est bon. Il ne m'écrase pas, quand même, hein. C'est bon? Presque. Il l'a attrapé? Non. Regardez comment son dard, il bouge, là, c'est normal? Ben, je sais pas. Parce qu'il aime bien. Fais-lui une prise. Je suis content. Tac. Retourne-le, il bougera peut-être moins. Voilà, super. Tout doucement. Non, elle est tout doux, hein. Ourama Washigiri. Une toute petite paille, tu libères le papier et j'espère qu'il y a quelque chose écrit dessus. J'espère que j'ai pas pris trop de temps. Il y a marqué 58. Deux petits points, 58. Ok, donc c'est la 58, c'est à la fin. Cherche le deuxième indice, la deuxième partie. Ça peut être sous les araignées ou je sais pas. Ah, il y en a une là. Sur ta droite. Celle qui est en haut. Retourne-toi devant toi. À ta droite. Celle qui bouge. À ta gauche, Oui. Merci les gars. Merci de m'avoir dit. Oh là là, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il est super à l'aise. J'ai surtout peur de leur faire mal. Avec mes gros doigts. Et tu vas tout doucement, hein. Excuse-moi, chérie. Hey, je te donne 5 euros si tu lui fais un bisou. Alors, le premier, c'était 2 petits points 58, et là, c'est... Y a rien, c'est un là. Ok, cherche en bas. Continue, Pascal. Regardez, s'il vous plaît. Oui, devant. Oui. Sur la gauche, peut-être. Non, c'est là, la main. Elle est super calme. Toi, tu restes là. Là, il y a marqué 34 avec 2 petits points. 34, 58. Donc 2 petits points, 58, 34. Donc ça doit faire 34 et 58 derrière. Ça n'explose. Allez, vite, on peut pas vivre. Qu'est-ce que je fais? Je reste là-dedans. Tu peux revenir, Pascal. Je peux sortir? Oui. Tu peux sortir. Arrache-la très vite. Ok, super. Bravo. Et tu veux rester encore un petit peu? Et toi, t'araignes mieux partout. Allez, viens nous rejoindre. Apporte une araignée, j'ai bien pris un rat. Oui, c'est ça. Non. Pas d'araignée, pas de migale. Tu sais, des araignées. Allez, Pascal. On ne touche pas le décor. T'es d'autres jeux, j'espère. C'est quoi ça? T'inquiète pas, fais le malin. Allez. Oh, l'homme araignée. C'est Spider-Man. Ça va? Ouais, bah. Et t'avais déjà manipulé des petites bêtes comme ça, toi? Non. J'étais vraiment pas à l'aise, hein. Le scorpion. Bah, il me faisait des trucs comme ça, non? Vous avez pas vu? Il faisait des signes, il était au moins grand comme ça, quoi. Il te montrait le truc. Il te montrait où était l'autre papier. Ils étaient dans une caisse comme ça. Ils étaient 50 autour de moi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Tu te retrouves très vite en contact avec eux. Bon, bah bravo. Super, ça nous fait une deuxième cartouche. Génial. On entend une troisième tout de suite. Et on suit Passepartout. Allez, on y va. On y va. Bravo. Bon, eh bien voilà qui s'annonce pour le moins très bien là. Deuxième indice déjà pour l'équipe. Parfait. Tu montes comme à l'échelle. J'aime bien les conseils de Tomer. Tu montes comme à l'échelle. C'est aussi simple que ça. Il le fait de la main. Ouais, c'est très, très. Alors, voici encore une expérience absolument improbable que je vous propose. Enfin, que je propose surtout à Matt. Matt, le principe est donc très simple. J'adore utiliser cette expression. L'idée étant donc pour toi de monter jusque là-haut. Tu vas attaquer le fort par la face nord. Sache que peu de gens peuvent se vanter de l'avoir fait dans leur vie. Tu fais partie de ce club très fermé. L'indice étant donc tout en haut. Bonne chance à toi. Le temps est assez compté, pardon. Il y a un temps limite. Ah oui, il y a un temps limite. Sinon, l'indice, comme je. Fréquence, cadence, vous le dis à chaque fois, sera détruit. Tyrone, de ton côté, suis passe-temps pour la prochaine aventure. Allez, entre tout. Fréquence, cadence. Aussi bon pour le scaphandre. Bien. Écoute bien les conseils de ton équipe. Matt, attention. C'est comme une échelle. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on est un petit peu devant lui. Là, t'es bien.
là. Voilà, va chercher le plus loin possible à chaque fois. Super. Et respire bien. Sois pas en apnée. Adeline Thomer, vous pouvez peut-être vous mettre en bas pour resserrer les deux cordages, que ça reste bien parallèle, qu'il ne fasse pas le grand écart. Voilà, génial. Et Matt, j'ai réfléchi à ta proposition de mariage. Je suis d'accord. À une condition, c'est au moins 30 000 euros pour l'association. Hein. Allez, on y va. Okay, bras super. Droit, jambe droite, bras gauche, jambe gauche. On y va, on y va, on y va. Les mieux cartes, pas trop. Fais gaffe, là, Matt, fais gaffe, t'as fait tomber un tatouage. Ne fais pas rire, toi. Allez. Continue, c'est respire bien. Je ne vais pas garder mon objet, je crois que c'est comme une échelle. Ma mère, dit que c'est comme une échelle. C'est allez, vas-y, continue. Tenir bien les corps parallèles. Ah. Allez, tu y es presque. Tu veux que je t'aide? Non, tire bien droit. Non, mais là, ne lui écarte pas. Ouais, tu veux que ok, super, voilà, comme ça, c'est bien. Allez, Matt. Allez, Matt. Forcez bien. Ah, putain. Allez. Là. Vas-y. Allez, encore un petit peu. Allez, vas-y, Matt. On va y faire un petit peu de bien. Comment? C'est bon? Allez, arrache-le, hein. T'inquiète. D'un coup, arrache. Arrache-le d'un coup. Arrache-le. Arrache-le. Eh, mais pour qui vous me prenez, vous? Bravo, c'est bien. Hey. Super, c'est bien joué. C'est super costaud. Assieds-toi dans ton harnais. Assieds-toi dans ton harnais, lâche les pieds, tu vas redescendre tout seul. Oh, merde. Assieds-toi bien dans le harnais. Hein. Attends, je lâche les prises. Ouais. Eh, tu peux dire bonjour à la mouette qui est juste derrière toi. Ah. Vous avez prévu une autre émission derrière? Arrête de faire le malin, toi. Adeline, Adeline. Allez, tu vas redescendre tout doux. Bien, Mike. Bon, bah, c'est bien joué. J'ai mal au bras. Ouais, hey, allez, hey, ne nous faites pas perdre du temps. Et il faut qu'on enchaîne. Allez, allez, passe-partout, t'y vas, on te court après. Non, pas ton mat, pas ton mat. Passe-partout, regardez déjà partout. Passe-partout. Ah, ouais. Regardez-moi ses épaules. Un petit cri de guerre là, s'il vous plaît, tous ensemble. Petit cri de guerre. 3, 4. Cri de guerre, Thomas. 3, 4. FAL. Mais pourquoi? Parce que. On paraît bien ça. Allez, on y va. Tu nous rejoins, on va t'enlever ton harnais et tu te dépêches, hein, au plus vite. Mais lâche-le. Attends. J'aime pas cette cellule. J'ai horreur de me retrouver ici. Qui calcule très vite? Répondez pas tout ça à la fin. Allez, allez, Adeline. Tu prends la petite craie, l'ardoise est devant toi. On va attendre que Tyrone nous crie les codes à l'intérieur. À toi de faire les opérations intermédiaires pour qu'on gagne du temps. Et puis, bah, Thomas, tu peux peut-être essayer de... Oui, allez, les assistants. Vous allez aider Adeline à calculer le plus vite possible. Et Thomas, tu t'occuperas du cadenas dès qu'on aura le code à 4 chiffres. Bien. Alors, Tyrone, je vais t'expliquer dans un instant ce qui t'attend. Auparavant, est-ce que vous m'entendez à l'extérieur? Ah, très bien, hein. Oui, je m'adresse à Stéphanie. J'ai reçu un message du père Foura par Mouette Express et il aimerait bien la voir dans sa vigie. Ah, Stéphanie. Voilà. Bon, suis pas ce temps, retrouve-toi là. Bien, tu vas voir, maintenant, parlons sérieusement. Tu vas aller à la rencontre de bestioles qui, il est vrai, n'ont pas bonne réputation. Okay. Cette mauvaise réputation, sincèrement, n'est pas totalement justifiée parce que grâce à ces pébêtes, tu vas récupérer des chiffres qui te permettront, et surtout à ton équipe, d'avoir un indice supplémentaire. Okay. Voici maintenant la réalité du parcours qui t'attend. Oh, tu auras différentes étapes donc dans ce parcours. À toi d'être le plus concentré possible pour récupérer donc les chiffres dont je te parlais. Et en fait, ils sont inscrits sur un des côtés, c'est ça? Ils sont sur le côté, devant, derrière, au-dessus de toi. Je peux me tourner? Suivant les endroits. Non, te tourner pas plus que ça, voilà. Tu vois, c'est surtout le regard. Ça n'ira jamais au-delà, de toute manière. Et ils sont gros comment, environ? Les chiffres? Ouais. Tout petit. Sinon, ce n'est pas rigolo. Ils sont sur un bout de papier ou sur le... Tu verras, il y a des surprises à chaque étape. Bonne chance, mon cher Tyrone. Très allez, très tu as été courageux jusqu'à présent, il n'y a pas de raison.
Let's go. Que ça s'arrête. 3, 2, 1. C'est parti. J'ai tout mon temps. Il s'arrête tout de suite sur sa droite pour lire le code. Ok. Arrête-toi tout de suite sur la droite pour lire le code. Voilà. C'est 979. 979 ? Ouais. Ok, vas-y. Avance, avance. On se pose. C'est parti. Deuxième compartiment. Fou. Allez. Il faut qu'il rentre. Rentre, rentre, tu rentres. Avance, avance. Souffle, souffle. Souffle la farine. Souffle la farine. Voilà, c'est sur une balle de ping-pong. Il n'y a pas de côté dessus. Allez. Il faut souffler encore, encore, encore. 878. 878. Dis-lui bien qu'il répète. Répète. 800, 400. Merde. 878. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ok, avance, avance. 848, je crois. 848. Ok, 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 tu peux continuer. 848. Allez, troisième compartiment. Là, il y a une petite corde, il faut que tu tires dessus. Tire la corde avec la corde. Alors, tu regardes en l'air. Regarde en l'air. 316. 316 ou 7 ? 316, l'autre d'avant. Ok, ok. Là, je fais quoi, alors ? Vas-y, tu bois. Tu bois. Bois. Allez, bois tout, le code va ressortir. Oui, c'est ça, oui, justement. 494. Non, il a dit encore. Sors, dis-le. C'est 494. Ok. Non, non, non. Allez, vas-y, rentre. Souffle. C'est bon, maintenant on fait l'addition. Ça va nous donner un code à 4 chiffres pour ouvrir le cadenas. Et c'est bon là, c'est tout ? Oui. Attention, hein. Ça fait combien ? 27. Ah, ça a explosé ! Ah là là, trop tard. Ok. Non, il a pas fait tout ça pour rien. Pas grave. Rassurez-le. Il fallait vraiment faire des calculs intermédiaires, vous avez dit, pour gagner du temps et tout. C'est vrai que je les avais fait. Simplement, ils donnent le chiffre au moment où c'est. On n'a pas été assez bon. Rassurez-le, dites-lui que. Bon, bah, t'es nul ! Non ! À cause de toi, on va perdre ! On a tout fait pour toi ! On a honte de toi ! Retourne en arrière, Tyra ! On regrette de t'avoir dans notre équipe ! Vous êtes très méchant, il s'en est bien sorti. Mais on fera quand même ton album ! On y va, parce que tout le monde te suit. On y va. Stéphanie, enchantée de vous recevoir. De même. Vous avez l'air très très concentrée. Oui. Savez-vous que nous avons un point commun tous les deux ? Ah bon ? Oui, ça paraît vous étonner, oui. Mais écoutez, nous avons tous les deux passé beaucoup de temps sur un rocher, voyez-vous. Mais non. Notre vrai point commun, c'est que nous aimons tous les deux nous occuper des autres, n'est-ce pas ? Exactement. Bien. Allez, donc vous connaissez la formule. Je vous lis trois définitions, vous essayez de les recouper les unes avec les autres et ça devrait vous mener vers le bon mot à trouver. Première définition. Mon indice a toujours la côte. La côte. Alors, quelque chose vous vient ? Non, vous préférez attendre la deuxième définition. Gardez-la en tête. Deuxième définition. On peut se jeter dans le feu de mon indice.
Rien ne vient avec ces deux phrases. Vous avez gardé, gardez tout ça. Troisième définition. On oppose généralement mon indice à la réaction. Alors, on peut se jeter dans le feu de mon indice. On oppose généralement mon indice à la réaction. Et mon indice a toujours la cote. Mais écoute, rien n'est perdu. C'est toujours et souvent même comme ça que ça se passe. Vous gardez ces trois définitions en tête. Et puis j'en suis sûr que vous allez trouver. D'accord. Allez Stéphanie, allez. Suivez pas ce temps. Voilà, allez. Mémorisez bien et continuez à réfléchir. Oh. Une bonne équipe, une princesse, c'est royal. Nous allons savoir dans un instant si Stéphanie a réussi à trouver l'indice en vigie. Tomer, te voici maintenant pour cette aventure face à un vélo un peu particulier. Comme on sait que tu es à la fois physique et cérébrale, on s'est dit rien de tel pour réussir cette aventure que de t'aider à irriguer le cerveau davantage. C'est pourquoi tu vas te mettre la tête en bas. Avec donc pour seule difficulté d'avoir à te mettre à l'aplomb de chaque drapeau afin de les ouvrir, ce qui permettra à ton équipe de récupérer le code pour récupérer la cartouche. Temps de récupération. Tu n'en auras pas, toi, du temps de récupération. Vas-y, mets-toi en position, cher Tomer. Vas-y, Tomer. Allez. Vas-y. Attention. Ah, Stéphanie revient. 3, 2, 1, ouais. C'est parti. Bah non, parce qu'on a besoin d'essayer. T'as pas trouvé le film. Oui, ah oui, bien sûr. Allez, Tomer. Allez, Tomer. Jusqu'au premier panion. Il va falloir que tu lâches les bras, tirer sur la corde, et pour qu'on puisse découvrir le numéro. Lâche les bras. Allez, vas-y. Ouh là là. Alors, garde tes pieds, garde tes pieds sur le vélo. Garde tes pieds, sinon tu vas pas pouvoir. Tu vas gagner de la longueur. Voilà. Laisse bien tes pieds dans les pédales et lâche tes mains. Avance encore un bras. Voilà, super. T'es un chef. Combien? 3 C'est 3. Allez, continue. Allez, voilà, tranquille. T'es bien là, t'es bien. Super. Tu respires bien. Tu peux même lever la tête. Voilà, comme ça, voilà. Ça évite que le sang. Allez, vas-y, tu passes au deuxième. Ah, tu veux que je te passe ça? Allez, Tomer, vas-y, deux sprints. Je suis là, au cas où. Mais t'es un chef, toi. Vas-y. Ça te va vachement bien la tête en bas. 4 C'est 4. Allez, continue jusqu'au troisième panion. 4. N'essayez pas les autres chiffres pour l'instant. Vas-y, Tom. Ça va exploser. Allez, vas-y, Tiens, ça va exploser. Tom, ça va tranquillement, plâcher. Regarde la balade. Ouais, parce que ça fait exploser encore, comme tout à l'heure. Là. Moi, je suis fatigué. Hein. Vas-y, Tom. Vas-y. Allez. Encore. Lâche les mains, super. Lâche les mains, champion. Encore un peu. Vite! Allez! Dépêche-toi! Super, allez-y, vite pour ouvrir la boîte. Ça va, Tomer? Tu te sens bien? Bah ouais, tranquille. Ouais! Tranquille. Ah, génial, vous êtes au patron. Bravo! Ça y est, Tomer, on part. Il y a pas de jeu là? Trop facile pour nous. Bah, jusqu'au bout, on va te récupérer de l'autre côté, Tomer. C'est bon, super! Arrête. Bravo à toi! Mais après, qu'est-ce que vous voulez? Vous en voulez encore des épreuves? Le jeu commence quand? Là, c'était juste une répétition, une petite mise en jambe. Bon. Non, vous êtes des champions, vraiment super. Ça nous fait quoi? Ah, bah écoute, la classe vient de ressentir. Bravo! Eh les gars! Eh! FAM! FAM! Mais pourquoi? Parce que! Easy pour vous. Donc, cette clé, combien? 4 indices, c'est le top. On y va, on va aller au conseil parce que les maîtres des ténèbres vous attendent et autant aller les rejoindre tout de suite parce qu'ils sont pas très sympas. Légèrement antiques. Ok, allez. Pas s'occuper d'eux, t'inquiète. C'est quand qu'on fait la pause? Mais pourquoi? C'est quand qu'on fait la pause? Y a pas de pause, Pascal. Grâce au cristal récupéré dans la salle des empreintes, les candidats entrent dans le conseil pour affronter et défier les maîtres des ténèbres. Gagner des duels est indispensable pour récupérer le temps si précieux à la collecte des boyards. Messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte cette nouvelle séance du conseil. Je vous rappelle que les candidats qui pénètrent ici n'ont pour seule intention que de récupérer du temps dans la salle du trésor. À vous devrez donc au mieux dans l'intérêt du fort. Soit vous gagnez, soit vous ne perdez pas. Vous n'avez pas le choix.
Jusqu'à présent, vous êtes bien battus, vous avez tout donné lors des épreuves, des aventures. Je tenais vraiment à vous féliciter, un grand bravo à tous. Maintenant, c'est à moi de vous donner quelque chose. Déjà, toute mon estime. Je peux vous dire que ça vaut cher, ça. Plus sérieusement, je vais vous donner surtout la possibilité de gagner du temps supplémentaire dans la salle du trésor, et ça, c'est très important. Salut, Tomer. Vous allez rencontrer les maîtres des ténèbres dans un instant. À vous de vous battre et de gagner vraiment un maximum de temps. Passe Muraille, je pense que tu peux leur remettre le cristal. Remporté à la salle des empreintes. Stéphanie, tu peux le mettre entre les mains de la statue. La porte du conseil va s'ouvrir. Attention. Bravo. Je demande Adeline. Allez, Adeline. Bonne chance, je te retrouve à la sortie. Adeline, fais un pas. Sois la bienvenue au conseil. Pour le moment, vous avez 3 minutes de temps garantie dans la salle du trésor. Chaque duel gagné, ce sera 15 secondes de plus pour ton équipe. C'est toi qui commences. Approche. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Ce duel, Adeline, va faire appel à ta mémoire. Tu vas, et puis le maître suivra, prendre 2 cartes. Qui sont posées devant toi. Si elles forment une paire identique, tu les remiseras par-devers toi. À 3 paires gagnantes, tu auras remporté ce duel, sinon tu les replaceras à leur place d'origine. Bonne chance à vous deux, c'est toi qui commence. Jouez ! Un serpent et une tête de mort. Le jeu est nul. Scorpion. Et le rat, ça ne marche pas. Le rat, il vient d'être découvert. Mais où était-il? Bien joué. Première paire pour toi. Le tigre. Et l'araignée, ça ne marche pas. Bien joué, maître. Une paire pour vous aussi. Égalité entre vous. Le maître reprend la main. La tête de mort. Maître, vous passez le tour. Vous n'avez aucune mémoire. Ça veut dire qu'il y a une seule tête de mort, c'est ça? Oui. L'araignée. Et le scorpion, ça ne marche pas. L'araignée. Bien joué, maître. Attention, Adeline, il y a danger. Le maître a 2 paires et il garde la main. Et le maître a gagné. Je suis désolé pour toi, Adeline. Tu t'es bien débrouillée malgré tout. Tu peux quitter le conseil. Maître, faites pivoter la porte. Ténèbres. Bon, écoute, j'espère que les autres pourront nous ramener au moins 45 secondes en plus. Croise les doigts. Je demande Matt. Matt, sois le bienvenu au conseil, avance d'un pas. Voici un nouveau duel pour toi. 15 secondes supplémentaires peut-être pour ton équipe. Approche. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Matt, voici un billot de bois. Le maître va planter un premier clou. À tour de rôle, tu commenceras, le maître suivra. Le premier de vous qui l'enfonce totalement pourra gagner la manche. À 2 clous fichés dans le bois, tu auras gagné ce duel. Attention, mesure bien ta force et ne te fais pas avoir par le maître. Messieurs, jouez. C'est toi qui commences. Thank you.
tout se joue sur ce dernier clou, Matt. Vous avez tenté et vous avez échoué. Matt, bravo. Tu peux donc te saisir des 15 secondes de temps que tu viens de gagner et verse-les dans la colonne du temps. Très bien. Tu peux quitter le conseil par ici. Maître, faites pivoter la porte, s'il vous plaît. De plus dans la salle de trésor, ça c'est super. Génial, bien joué, bravo. Je demande Stéphanie. Stéphanie, sois la bienvenue au conseil, avance d'un pas. Pour l'instant, un duel a été remporté, 15 secondes supplémentaires pour ton équipe, 15 secondes peut-être de plus grâce à toi, approche. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Stéphanie, le maître et toi avez le même nombre de pièces. À vous d'en placer une dans le gobelet, à tour de rôle, jusqu'à temps que le gobelet ne coule. Celui qui fait couler le gobelet a bien sûr perdu le duel. C'est toi qui commence. Bonne chance. Jouez. D'un poulpe. Je t'en prie, Stéphanie, approche-toi, empare-toi des 15 secondes que tu viens de gagner et tu peux les verser dans la colonne du temps. Parfait. Je t'en prie, tu peux quitter le conseil par ici. Maître, faites pivoter la porte, s'il vous plaît. Alors, c'est 15 secondes. C'est vrai, tu les as. C'était quoi, C'était quoi comme épreuve? Le verre d'eau. Mettre les pièces dans le verre d'eau. Qu'est-ce que t'as ressenti? Un peu de tension quand même. Et puis après de la puissance. Ouais, c'est bien. Donc attends, on en est à toi, avec 15, 3 minutes 30 dans la salle du trésor. Je demande Pascal. Pascal, sois le bienvenu au conseil. Approche d'un pas. Voici le duel qui t'est proposé. 15 secondes supplémentaires peut-être pour ton équipe. Approche. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Pascal, voici une feuille de papier pliée à l'identique pour toi et le maître. Vous allez, à mon signal, l'enflammer tous les deux. Le premier qui, soit la fait s'éteindre, soit la brûle totalement, aura perdu ce duel. Bonne chance, messieurs. En position, enflammé. Vas-y, Pascal. Une seule main, Pascal, une seule main. Maître, les mots me manquent pour qualifier votre prestation. Pascal, parfait, tu as remporté ce duel, bravo. Tu peux t'emparer maintenant du temps que tu viens de gagner. Prends celui-ci. Verse-la dans la colonne du temps. Très bien, tu peux quitter le conseil. Merci. Messieurs, au vu de vos prestations de ce soir, Rentemplant à côté de vous passerait pour un prix Nobel.
La séance du conseil est close. Bonsoir. Pascal, dis-moi qu'on les a, c'est 3 minutes 45 dans la salle du trésor. C'est vrai ? Super ! C'était quoi comme avion ? En fait, c'était un avion de papier que je devais tenir, que je devais enflammer. Ah oui. Et voilà. Génial. Ça, voilà. C'est bien joué. Donc, on récapitule. Ouais, ça fait 7 clés, 4 indices, 3 à 45 dans la salle du trésor. Avec ça, vous êtes obligés de ramasser un maximum de boyards pour l'association, la FAM. Dernière ligne droite, on rejoint Olivier au procès. On y va. Pour entrer dans la salle du trésor, afin d'écrire le mot-code et provoquer la chute du trésor, il faut en ouvrir l'accès. C'est le nombre de clés placées dans les serrures qui détermine la hauteur de cet accès. Mais attention, si les candidats non vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture, ils se retrouvent enfermés. Une herse bloque alors la sortie des tigres, mais provoque la perte totale et définitive de tous les boyards amassés. Passepartout approche avec l'équipe de la salle du trésor. Venez, prenez place. Placez-vous devant la grille de cette salle. Nous allons faire d'abord un petit bilan rapide sur l'ensemble de ce que vous avez gagné, emporté. À savoir, tout d'abord, 7 clés, le maximum. Parfait. Passepartout est en train de vous distribuer les clés gagnées, de manière à ce que vous puissiez les placer dans la grille afin de la déverrouiller. Il y a également 4 indices remportés dans les aventures et 45 secondes. J'ai l'impression qu'on a tout déchiré. Vous avez été absolument géniaux. 45 secondes en plus des 3 minutes déjà garanties. Placez les clés pour le moment. Nous allons ensuite voir si... Voilà. On tourne. Si le nombre de cartouches réunies et d'indices vous suffiront ou non pour trouver le mot. C'est bon, ça suffit. Voilà donc pour le déverrouillage de cette porte. Maintenant, le tout, c'est d'œuvrer au mieux pour récupérer le maximum de boyards. Donc vous avez 7 clés, ça c'est génial, ça vous garantit l'ouverture totale de la porte. 4 indices, c'est déjà pas mal aussi. Le seul petit souci, c'est ce fameux mot en vigie, Stéphanie. Est-ce que tu as le temps d'y réfléchir un petit peu de ton côté ? Je pense, donc... On va discuter un peu. J'ai ma petite idée. T'as ta petite idée ? Vas-y. Je pense que c'est action par rapport à toutes les définitions. Action, réaction. Okay. Ouais. Bon, ceci dit, on n'a aucune confirmation de ce côté-là. On verra si ça peut vous orienter après au moment de l'ouverture des indices. Et juste, je vous en supplie, à partir du moment où je sonne cette cloche, revenez, faites-moi confiance. Il ne s'agit pas de vous retrouver piégé derrière cette grille et qu'on perde tous les boyards, ce serait vraiment dommage. Donc, action, réaction, justement, ok ? Bien, parfait. Super. Je valide d'abord les 7 clés qui déverrouillent la grille. À partir de maintenant, ne perdez pas de temps. Bonne chance. C'est parti, trouvez le mot. Tu décalcules tous les indices. Allons-y. Allez, ne perdez pas de temps. Oui, vas-y, Thomas. Non, Thomas. Profondeur. Ok, premier indice, profondeur. Faites bien attention à chaque fois à l'orthographe des mots, au double sens éventuel. Profondeur, et ensuite le mot libre. On continue, troisième indice. Qu'est-ce que ça vous évoque pour l'instant ? Profondeur. Honneur. Libre. Honneur. Tout ce qui vous passe par la tête, hein, n'hésitez pas. Grand. Profondeur, vision, honneur, okay. Vision. Et action. Et action, éventuellement, si c'est le bon mot. Champ. Champ d'honneur, champ de vision, champ libre. Oui, champ. Répartissez-vous bien les lettres, si vous êtes sûr de vous. C-H-A-M-P. Vous êtes sûr de l'orthographe, oui. Attention, double sens, hein. Ok. Va avec eux, t'inquiète pas. Mets-toi sur le côté. Qui c'est le C ? Moi. C-H, c'est qui ? C'est moi, le H. A. Ok. A-M et le P. C'est le P. P. Non, c'est un P ou un T ? C-H-A-M-P. Ok. Regardez bien devant vous. Félindra, tête de tigre. Thank you.
chaud dans les escaliers, Max. Allez, dans le chaudron, on y va, Tomer. C'est super. Bravo, bravo. Allez, encore, encore. On y retourne. Le maximum. Hein. Regarde ta glisse, là. Pascal, ne tarde pas trop. Allez, allez, les allers-retours, c'est toujours plus payant. Adeline, n'hésite pas. Dans le chaudron, tu y retournes. Super. Attention à la princesse, Pascal. Hein. Tu vas pas nous abîmer. Super, super, super. Allez. Très bien. Super. Parfait. Super, ça me paraît bien ça. Présentez-vous à la pesée. Ça me paraît très bien. Allez, ça. Franchement, ça n'a pas été super bon. Non, attends, tu plaisantes ou quoi? À 6. On a pris beaucoup, hein. Ouais, pendant 3,45, belle ça moisson. Peut être que bon. On a pris beaucoup, ça, ouais. On a pris beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Allez, la famille, là. C'est pas évident, hein, de les prendre. Je me suis rappelé. Bien. Eh bien, dites-moi. Vous avez été formidable jusqu'au bout. Revenons d'abord sur ce mot code, si vous le voulez bien. Vous nous aviez donc dit champ. Et oui, en effet, champ pour action, un champ d'action qui est un domaine où s'exerce une action. C'est donc bel et bien action. Stéphanie, tu avais bien trouvé le mot pour finir. Honneur pour le champ d'honneur, qui est une expression employée pour parler de la guerre, du combat, où l'on prouvait son honneur. Libre pour avoir le champ libre. Vision pour le champ de vision, qui est la surface qu'embrasse l'œil ou l'appareil photo. Et puis profondeur pour la profondeur de champ d'une caméra de cinéma, par exemple. Alors, maintenant, que donne cette moisson de boyards? Passe-partout, passe-temps et passe-muraille. Regarde, ils ont du mal à soulever, c'est bon signe. Vont maintenant verser les boyards sur la balance. Joli. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant de boyards couler devant nous. Ça fait du bien. Regardez maintenant. What? Mais pourquoi? Tu m'étonnes parce que... Oh, eh, encore mille bravo. Bravo à vous. C'est la guerre. La Dream Team. Eh bien voilà, voilà une belle aventure qui s'achève. Vous nous avez offert un très beau spectacle, toutes et tous. Merci infiniment. Ça a été une belle occasion eh bien, pour nous de vous voir dans l'action. Et puis voilà, tout cet argent qui revient donc à l'association que vous défendiez et que vous évoquerez à nouveau avec Anne-Gaëlle dans un instant. Vous serez toujours les bienvenus sur ce fort, sachez-le, nous serons ravis de vous avoir. Merci à Stéphanie d'être venue malgré tout, malgré ton bras. Et puis, bien voilà, tu nous as prouvé une fois de plus que tu étais une femme de cœur entourée par une équipe de cœur. On ne pouvait pas rêver mieux pour cette émission. Et de bras aussi. Merci Anne-Gaëlle. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bon, vraiment, je vous dis un grand bravo. Vous êtes bien battus de A à Z. Vraiment, félicitations. Je pense qu'avec tout ça, vous allez pouvoir faire plein de belles choses pour l'association. Oui. Stéphanie, tu peux en profiter pour en dire un petit mot, peut-être? C'est magnifique. Pour la FAM. C'est super, c'est plein de bonheur. Et plein de bonheur à tous les gens que j'aime, voilà, tous les jours. Je suis en très tout contente. Cas, on Merci. Gardera un très bon souvenir de votre équipe. Je ne sais pas si je ne vais pas avoir besoin de vos bras pour soulever tout ça, tellement c'est lourd. Prends les deux bras. Hein. Bravo, tout ça, c'est donc pour l'association. Puis je vous rappelle chez vous que vous avez la possibilité de faire augmenter cette cagnotte en tentant de décrocher aux enchères ce t-shirt dédicacé par toute l'équipe. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous vos dons, www.france2.fr. Merci à tous. Pour dire au revoir, c'est là que ça se passe. Ciao à tous, excellente bonne soirée. Merci sur beaucoup. France 2. À la semaine prochaine. Allez, je vous accompagne. Courage, volonté, endurance. Une nouvelle fois, nos candidats ont écrit une belle page de l'histoire du port. À bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.
sur le Dakota du Sud à l'Illinois.